Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Nous allons continuer aujourd'hui avec notre série sur les 7 choses que notre Dieu déteste. Si nous voulons continuer à bénéficier d'une vie de réussite, de paix, de santé, d'amour et de longévité, nous devons resserrer notre relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ et absolument éviter les choses qu'il déteste. Proverbe 6, 16, 19 dit « Il y a 6 choses que hait l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. » Nous avons déjà parlé des yeux hautains, la langue menteuse. Aujourd'hui, nous allons parler des mains qui répandent le sang innocent et le cœur qui médite des projets iniques. Bien que nous les connaissons déjà, nous les révisons en utilisant la parole de Dieu pour purger et renouveler nos consciences et nos cœurs qui sont tellement souillés et corrompus par le péché. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La volonté de Dieu, c'est que nous nous abstenions de toutes les souillures de ce monde et de tout ce qu'il déteste. Le Seigneur est les mains qui répandent le sang innocent. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu et en aucun cas nous ne devons tuer. Il y a des gens qui tuent les autres par jalousie ou par haine. Nous devons construire et non détruire des vies. Ceci apparaît également dans le 6e commandement, dans Exode 20:13 qui dit « Tu ne tueras point ». Les 10 commandements ou la loi de Dieu ont été donnés pour ceux qui veulent se justifier devant Dieu par rapport à leur péché. La loi a été donnée pour révéler en nous le péché et non pour nous justifier, comme Romains 7:7 nous dit « Que dirions-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là. » Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la voix m'eût dit « Tu ne convoiteras point ». En fait, sans les commandements de Dieu, nous n'aurions jamais su que nous avons péché. La loi ou les commandements de Dieu ont été donnés comme guide pour que nous sachions notre position de pécheur devant Dieu qui est saint. Devant la loi de Dieu, celui qui tue et celui qui ment sont au même pied d'égalité, comme Jacques 2, 10 dit, « Car quiconque observe la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » La malédiction et la mort sont les conséquences du péché, comme nous lisons dans Galates 3, 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Attention bien-aimés, ceci est un concept biblique difficile à comprendre et beaucoup se sont égarés ou abandonnés leur foi à cause de l'incompréhension ou de la mauvaise interprétation. Nous devons bien lire et comprendre ce qui suit. Personne ne peut respecter les 10 commandements de Dieu qui sont le standard de Dieu. Seul Jésus-Christ l'a accompli, comme il a dit dans Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Notre Seigneur Jésus-Christ a accompli la loi, mais ne l'a pas abolie ou supprimée. Les 10 commandements de Dieu restent le standard de Dieu et notre guide pour toujours. La parole de Dieu ne changera jamais. Ce n'est qu'en nous rapprochant de Dieu que nous pouvons tendre vers son standard. À savoir quel était le plus grand commandement, Jésus répondit « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et aime ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le Seigneur a tout simplifié pour nous bien-aimés
Voici la clé. Nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ afin qu'il nous aide à être au standard de Dieu à travers son Esprit Saint en nous, comme Galates 2, 16 dit. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ, non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés du péché, de la condamnation éternelle et de la mort pour nous donner la vie éternelle, comme Romains 6, 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Maintenant que nous avons cru en lui, nous sommes fils de Dieu, comme Galates 3, 26 dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la loi, par la foi en Jésus-Christ. Maintenant que nous sommes fils et filles de Dieu, nous avons le pouvoir en Jésus-Christ de dominer le péché. Le péché ne devrait pas avoir de pouvoir sur nous parce que nous sommes enfants de Dieu. Si le péché a le pouvoir sur nous, c'est que nous nous laissons dominer. En toute chose, nous sommes toujours plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Prie avec moi. Avec moi et répète après moi. Merci Seigneur, gloire à toi de m'avoir sauvé dans la condamnation éternelle et du péché et de la mort par le sacrifice de ton Fils unique Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, qui est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois en toi, Père Céleste. Merci pour cette grâce abondante que tu me donnes, Seigneur. Je ne voudrais jamais être l'objet d'aucune destruction dans ma vie. Pardonne-moi mon péché, Seigneur. Mets-moi sur la droite direction. Et merci, Seigneur, de me montrer ce qu'il convient de faire pour marcher dans ta lumière et marcher en pleine harmonie avec toi. Maintenant que je t'appartiens et que tu habites dans mon cœur, remplis-moi de ton Esprit Saint et apprends-moi à vivre selon ton standard, le standard que ton Fils unique Jésus-Christ a vaincu dans les 10 commandements et sur la croix pour nos péchés. Alléluia, gloire à toi éternellement, au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons parler d'une autre chose que notre Seigneur déteste, le cœur qui médite des projets iniques. Méditer, c'est fixer son attention, se concentrer profondément sur quelque chose, penser infiniment. Penser du mal constamment amène automatiquement à faire ce qui est mal. Nos pensées sont d'une grande influence sur nos actions et sur nos comportements. Et tout cela vient de notre cœur, comme Matthieu 15, 19 dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Nous devons faire attention à ce que nous pensons à longueur de journée. Nous devons activement contrôler nos pensées. Elles sont en rapport directement avec ce que nous faisons et ce que nous avons dans le cœur. Comme Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous devons, au lieu de méditer sur le mal, penser au bien, méditer plutôt sur la parole de Dieu qui est la clé du succès, comme Josué 1, 8 dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit.
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est une décision que nous devons prendre si nous ne voulons pas méditer sur le mal. Méditer sur la parole de Dieu occupe nos pensées, purifie nos cœurs et nous fait de nous de meilleures personnes. Elle nous procure la paix de Dieu. La parole de Dieu contient toute la sagesse nécessaire pour une vie de réussite et d'abondance. Comme Philippiens 4, 7 dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. » Proverbe 14, 22 nous dit, « Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas ? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Le Seigneur nous donne ses faveurs quand nous agissons avec bonté. Comme Proverbe 12, 2 dit, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Le Seigneur juge sévèrement ceux qui font du mal. Comme Psaume 11, 5 dit, l'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Dis au Seigneur aujourd'hui avec Psaume 139, 23, 24, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous devons constamment filtrer nos cœurs et nos pensées pour nous rassurer que nous nous éloignons du mauvais chemin et que nous sommes en communion avec le Seigneur. Le Seigneur connaît toutes nos pensées. Il met sur nous de bonnes choses et nous apprend de bonnes choses quand nous marchons sincèrement avec lui, comme sa parole nous l'enseigne, de l'aimer, de l'obéir, et il gardera nos vies. Comme le Psaume 1, 2 dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Nous devons donc méditer les paroles de Dieu pour qu'elles s'enracinent dans nos cœurs, pour remplacer toutes les mauvaises pensées qui s'enracinent dans nos cœurs et qui nous poussent à agir et à faire du mal. Nous devons activement décider et choisir nos pensées et leur direction. Nous ne pouvons pas choisir de penser au mal ou au bien si nous ne le voulons pas. Nous devons choisir et être encouragés plutôt qu'à être découragés. Repassons dans nos cœurs les bontés du Seigneur et dans nos pensées, comme Lamentations 3, 21, 23 dit, « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Prenons la décision aujourd'hui, laissons la parole de Dieu transpercer nos cœurs, car la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Prions Dieu. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ta parole vivante et efficace qui nous met en garde contre les choses que tu détestes. Seigneur, c'est en guise d'amour que tu nous protèges de détruire nos propres vies quand nous faisons ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, et donne-nous de commencer dès aujourd'hui une nouvelle vie en regardant à toi, Seigneur. Seigneur, protège-nous de tout mal et donne-nous de mener une vie basée sur tes paroles. Incline nos vies et nos cœurs à ta bonté, car nous voulons rejeter le mal. Nous voulons vivre, Seigneur, dans ta grâce et dans ta bonté tous les jours de notre vie. Transforme nos cœurs à ta volonté, car nous voulons rejeter toute forme de mal au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
voici à la fin de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Rappelons-nous des choses que est l'Éternel et qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques. La prochaine fois, nous allons continuer avec les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre les frères. Ces choses nous détruisent et nous empêchent de savourer avec abondance la grâce que le Seigneur Jésus-Christ a pour nous. Ouvrez vos mains maintenant pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse de l'accomplissement de sa volonté et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable en Jésus-Christ, notre Seigneur. Allez dans son assurance, allez dans son amour, allez dans sa paix et passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ et Afrique Today. Merci.